Les gars, je viens de quitter le poste de police, là, regardez ça. Je sais pas si vous le voyez. C'est écrit juste là, là. Poste de police, agglomération de police, quartier général. Je vais arriver à la voiture, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Bon les gars, je viens de revenir du poste de police. C'est un peu stressant, hein. Ouais, donc les gars, je suis allé au poste de police parce que je vais faire croire à Bijou que je vais en prison. Et évidemment, les gars, je ne vais pas vraiment en prison, c'est un prank que je vais faire à Bijou. Je suis allé là-bas, j'ai pris des photos, je suis rentré à l'intérieur, je voulais découvrir c'est quoi un poste de police parce que je ne suis jamais rentré dans un poste de police auparavant. Et les gars, dès que je suis rentré dans le poste de police, déjà, c'était un endroit assez petit. On dirait que c'est grand, mais c'est petit. Il y a juste l'endroit où les gens peuvent s'asseoir là. Là, je rentre dedans, je vois déjà trois policières qui me regardent, des meufs là. Elles me regardent de l'air. Et là, je suis comme, oh, rien n'arrête de me regarder. Donc là, je marche dedans, je regarde les pancartes, il y a beaucoup de pancartes là. Je marche. Après là, maintenant, il y a un boug qui m'appelle comme ça. Hey, je peux t'aider? Alors que j'ai rien fait, j'avais l'impression d'être coupable, tu vois. Déjà, je suis... Non, ça a aucun rapport, Mais bon, là maintenant, le monsieur m'a appelé. Et est-ce que je peux t'aider? Là, je vais voir le monsieur. Je lui dis, non, j'ai pas besoin d'aide, je vais juste me promener. Qu'est-ce que j'y ferai? Là, je suis sûr, dans sa tête, il se disait, mais qu'est-ce que tu veux faire à te promener dans un poste de police? Et après ça, les gars, j'ai vu les yeux du policier. Ses yeux ont regardé dans mes mains. Et qu'est-ce que j'avais dans mes mains, les gars? J'avais ma caméra et mon trépied. Je suis sûr que pendant 1 millimètre de seconde, il s'est fait une idée. Il a cru qu'il y avait quelque chose dans mes mains. Mais après là, il a dit, oh, ok, c'est une caméra. J'avais pas les yuku de filmer là-bas, bro. Ouais, bonjour, je viens juste pour me promener ou quoi? Non, j'avais pas les yuku. Mais bon, bref. Donc, ce que je vais faire, les gars, aujourd'hui, je vais faire croire à Bijou que je vais en prison. Et puis, vous rappelez, il y a quelques jours, j'ai loué une voiture, hein. Une belle voiture, c'était un bon bullet, frère. J'ai eu du plaisir avec. Et bon, là, j'ai plus la voiture. Et puis, je me suis dit que ça allait coller que je fasse croire à Bijou que je vais en prison parce que j'ai fait des conneries avec la voiture là. Parce que la voiture là, Bijou, il est resté avec moi avec pendant à peu près un jour et demi. Et le reste du temps, c'est moi qui l'ai conduit. Genre, je voulais profiter au max de la voiture, de ma location avant que je la rende. Donc là, je l'ai roulé, je suis allé loin. J'ai fait genre 1h30 de route. J'ai fait que rouler dans toute la ville avec la voiture pour en profiter. Et puis, ceux qui ont vu la vidéo, vous savez qu'il y avait un mode sport là que je voulais tester. Donc, ce que je vais faire croire à Bijou, c'est que je me suis fait arrêter par la police et que je dois aller en prison parce que j'ai dépassé la limite. Alors que je l'ai pas fait, bien sûr. Les gars, on est réglo ici. Oh non, je l'ai fait, qu'est-ce que je dis? Je l'ai fait, mais c'était pour une fois, tu vois, c'était une fois. Faut pas faire ça. Je fais pas ça toujours, ok? Et les gars, j'ai la preuve aussi, regardez ça. Donc là, je vais montrer ça à Bijou. Je crois que je vais en prison. Je vais lui montrer que je suis allé au poste de police et tout. C'est Trésor qui est en train de faire la vaisselle là. Donc, il est en haut, Bijou. Bijou, viens. Ferme la porte. Quoi? Tu vois? Quoi? Bah, je t'ai appelé. Tu faisais quoi d'abord? Après, tu vas faire quoi? Et pourquoi t'as la caméra? J'étais dehors. Ah, oui. Sorti, non? D'accord. Bijou, quand je sors et j'ai la caméra, c'est que je suis en train de faire une vidéo. Je sais. Donc, je t'appelle, genre, arrête de me demander pourquoi j'ai la caméra. C'est même pas des blagues, moi. Je suis vraiment sérieux avec toi. Développe. Donc, j'étais au poste de police, là. Mm-hmm. Et. Parce que je vais en prison. Développe encore? Non. Non, je ris même pas, je suis même pas en train de rire. Je vais en prison parce que, tu te rappelles la location que j'avais là? Ouais. J'étais dans une zone de 70, ok? J'ai testé le mode sport. Donc là, j'ai mis le mode sport. Et puis, je suis allé à 150, c'est vraiment ça mon record. Genre, je suis allé à 150. Je suis allé à 150. Oui, non, c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai allé à 150 parce que c'était tellement cool. Genre, j'allais vraiment vite là, c'était comme Demon! Laisse, pourquoi tu fais que toucher des objets? Laisse. Je suis en train de parler, laisse. Et puis, il y avait la police derrière moi, ok? Et je me suis dit, j'avais ma location, ok? Je ne peux pas me faire arrêter. Je ne pouvais pas me faire arrêter, j'ai dit non, c'est impossible. Donc là, j'ai continué à rouler. T'as pas fait une course poursuite? Mais ils m'ont suivi, ils me suivaient. Mais exactement, ils m'ont pas attrapé. C'est pas possible. Ils m'ont pas attrapé, Bijou. Je suis allé tellement vite qu'ils m'ont pas attrapé. Je me suis dit, ok, c'est bon, ouf. Je me suis échappé d'eux, ok? Donc, ok. Comment ils ont reconnu ta plaque si t'aimes pas ta voiture? Bijou, est-ce que tu crois qu'ils sont bêtes les policiers? J'aurais dû y penser. Ils ont reconnu la plaque. Ils ont contacté là où j'ai loué la voiture. Ils ont pris les informations de la personne qui avait la voiture à ce moment-là, qui est moi. Là, l'endroit où j'ai loué la voiture, ils m'ont contacté pour me dire que la police me cherche. Donc là, je suis allé voir les policiers pour me rendre. Au pire des cas, il t'aurait donné une amende et il t'aurait... Arrête de fucking parler d'amende! Je t'ai dit, j'ai en prison pour arrêter de parler d'amende! Il t'aurait donné un
Regarde, je mettais la musique comme ça, regarde comment je roulais. Regarde le mode, regarde le rouge, le mode sport. Ok, j'allais, mais j'allais c'est pas 50, c'est pas 50. Tu crois que j'ai tout filmé? Regarde ça, regarde ça. Je vais aller vite comme ça, je sais que je vais faire ça toute la journée. Tu crois que à 150 je vais filmer? Tu crois que je vais filmer à 150? 150, je perds le contrôle, donc là c'est comme ça, je roulais comme ça, il y avait la police derrière moi. Donc là maintenant ils vont marquer, là je suis bouqué là. Arrête, fucking, c'est pas possible, je suis en prison, je suis en prison. C'est pas, mais je suis en prison. Je suis une nièce. Ça me fait fuir, robot. Montre-moi une preuve, une vraie preuve. Oh. Le papier de police qui veut que tu ailles en prison. Bon, je sais pas que t'es là en train de rire, je sais pas pourquoi j'ai dit ça alors. Je vais en prison, j'étais là en train de rire, je vais en prison. Mais attends, ma maman va dire à quelqu'un d'autre. Moi je m'en fous. Ok, donc je te dis plus rien. Donne-moi une vraie preuve. Je dis plus rien. Donne-moi une vraie preuve. Et pourquoi tu crées ce moindre, c'est moi qui t'ai emmené en prison. What? Tu viens de parler, tu dis donne des preuves. Mais je suis forcé de te croire. Je vais en prison, c'est tout, je vais en prison. Je te crois pas. Ok, c'est bon. Ne me crois pas alors, ne me crois pas alors. What? Je vais en prison, je suis en prison, je vais en prison. Mais crois-moi alors, crois-moi. Ok, quand je vais en prison, là tu vas parler. Ouais. C'est ça que tu vas parler. Là je vais parler. Ok, donc là, la dernière fois que je t'avais fait croire que l'allocation c'était volé, t'as pas dit, oh je te crois pas, hein. T'as pas dit que je te crois pas, hein. Ça aurait pu vraiment être volé, ça aurait pu vraiment être volé, mais là tu me crois pas, hein. Là tu me crois pas, hein. Ok, c'est bon. Je vais en prison, alors parle pas alors. M'appelle pas ou pas. Ok. C'est bon, c'est bon, ne parle pas. Tu m'as dit ça pourquoi? Tu veux que je t'aide comment? C'est bon, laisse, c'est bon, c'est fini. C'est fini, tu peux partir. Oh, t'en vas au Bénin, tu veux que je fasse quoi? Tu veux partir, c'est bon, c'est fini. Tu fasses quoi? Non, c'est bon, je j'ai pas besoin. Tu seras invisible? Va pas jouer au basket, laisse faire. Je te dis plus rien, j'ai plus besoin de te dire alors que je vais en prison ou quoi. Genre, c'est bon, c'est pas grave. Quand je serai booké pour de vrai, là, viens pleurer devant ma face alors, c'est bon. On va appeler maman. Attends, je vais appeler maman. N'appelle pas maman, laisse. N'appelle pas maman. Non. N'appelle pas maman, j'ai dit. Comment je fais des choses comme ça? T'appelles maman? Non, n'appelle pas maman. Laisse-moi. Non, mais assieds-toi. Non, quitte-la. Non. Pas besoin. Non, je pense on va se battre live. Déjà, je n'étais rien fait. T'es fâché contre moi, pourquoi? Non, je suis fâché parce que tu ne me supportes pas. T'es là. Je comprends pas. Yes! C'est tout ce que en prison. C'est bon. Yes. Tu l'as mort en prison. What? Non, j'ai dit non. Lâche-moi. J'ai dit non. Là, c'est du kidnapping. Tu me gardes dans la chambre, pourquoi? Tu n'as pas le droit de faire ça. Faut me laisser. Faut me laisser. Non, assieds-toi, j'ai dit assieds-toi. Non, peut-être tu vas appeler maman, j'ai dit non. Appelle pas maman. Je vais descendre en bas. Non. Pas besoin. Alors, c'est en prison pour combien de temps même? C'est en prison pour combien de temps? Mon petit frère ne croit vraiment pas. C'est la prison pendant combien de temps, Junior? Junior! Il me dit quelque chose pour pas m'écouter.